Envoie-moi le gars là, mais. Arrêtez, a dit que quand on parle des choses, ne parle plus du voisin. Celui-là, mais c'est un homme là-bas. Quand homme, tu le regardes, c'est un homme. Il t'a dit que je veux un gars viril, un gars qui sait s'y prendre, un gars qui travaille bien. Oh. Le voisin, c'est le monsieur à rien. Quand toi, tu le vois, il sait à quoi. Si c'est pas à quelque chose, c'est qu'il m'a déjà géré le problème là depuis. C'est qu'il aurait géré le problème là depuis. Non, non, non. Envoie-moi le gars là. J'espère qu'il est bien. Il est costaud. Il peut gérer ça facilement. Déjà qu'on ne perd même pas le temps. 2 minutes, c'est fini. Pas de problème, envoie ça maintenant là, envoie ça maintenant, tu suis dans ma copine. Et pas compter sur l'autre là, le feignant qui a mal, l'idiot là, il sait même pas à quoi il me sert de la cité celui-là. En dehors de faire le sport, maman, il connaît encore faire quoi? En dehors de faire le sport, il connaît encore faire quoi? Il part tout le temps muscler, il fait les choses bizarres. Tu viens que entier sortir, petit tour comme ça, ça le dépasse, il n'arrive pas à faire. Je suis fatiguée de faire, il me fatigue, donc il veut même plus me voir. Ok, j'attends alors ma paix. Merci beaucoup. J'attends, merci. Merci vraiment. Ok, bye bye. Oui, oui, c'est ici. Monte. D'accord. C'est en bas là. Ah ok, Lucio. Sinon, ma copine n'a pas menti, hein. Tu es en forme, tu es en pleine forme là. Merci. Tu es debout, tu as le muscle. Merci. Pas comme certaines personnes ici qui ne me servent à rien. J'ai un petit voisin là, vraiment, il ne me sert à rien. Si c'était quelqu'un de viril, de bien, c'est qui m'a géré le travail avec toi. Ah non, tu as petit. J'espère que tu vas bien gérer le travail. Je veux quelque chose de bien fait, de très rapide, là, qui ne va pas perdre de temps. Ne vous inquiétez pas, madame. Si elle vous a envoyé vers moi, c'est que c'est, non? Parce que moi, je vais t'appeler une deuxième fois. Je veux qu'on fasse ça bien cette fois-ci. C'est mon travail de tous les jours, ne vous inquiétez pas. On me paye pour ça. En tout cas, quand il te voit d'abord, je vois d'abord que. Bon, il y a ça. C'est pas un problème. Effectivement. C'est là. Ok. Allons-y alors. Okay. Après vous. Merci. Aussi ici en bas. Mais remets non. Moi je remets comment non? Toi me remets non. Ouais, toi aussi, c'est toi qui avais le bas là-bas non? Je suis mis le bas comment? Ok, ça va là, j'ai remis. Voilà. Doucement, pardon, fais doucement. Les voisins vont. Ça fait trop de bruit. Ouais, ça va alors. Sinon les voisins, tout le quartier va connaître qu'ils sont marqués quelque chose dans la chambre aussi là. Doucement. Assis. Mets bien le pied. Ouais, je soutiens le pied là comment? Place bien le pied, non? Regarde, place comme ça, regarde. Voilà. Mais voilà. Encore. Non, ça je va. Ferme encore bien. Non, bloc. Ok, j'ai bloqué. Pli, oui, pli. Ouais. Non, oh, attends, ça me fait mal déjà. Pli. Il t'a dit que c'est mon travail, on me paye pour ça. Non, j'apprécie. Donc, le surplus que tu as dit là, non. Tu vas rester à sa place, non. Non, ça, c'est comme si c'est même toi qui me. C'est comme si c'est même. Je ne veux pas que tu me payes, même. Je sais pas. Oh, maman, merci beaucoup. Voilà. C'est le travail là qui me donne les illusions, j'hallucine ou quoi? Même les appels, c'est quoi tu as oublié? Arrête d'avoir les chaussures. Non, nos chaussures sont. Où sont les chaussures? Ok. C'est où là?
Avant que j'aille ici, maman. Non, mais cherche ma part, non, papa. Maman, parle, trouve une solution. Trouve une solution. Tu es malade. Hein? Tu es malade. Tu veux quoi chez ma voisine? Tu veux quoi chez ma voisine? Attends. Tu es venu faire quoi ici? Papa, je vais te dire quelque chose. Le travail qui m'amène ici, si tu étais un vrai homme, tu aurais fait ça depuis des lustres. Vous êtes là pour me violenter. Il y a quoi, papa? Il vient me parler comme ça, vas-y. Tu amènes un homme, il vient me parler comme ça. Moi, ton voisin. Mais madame, voisin. Mais... j'ai compris tout ce que tu as fait là-bas. Ouais. J'ai compris tout ça. J'étais à la porte. J'ai compris. Quand ça sort, il remet quoi? Tu remets quoi, vas-y? Tu peux t'amener pas enlever. T'amener pas enlever sur quoi? J'ai si compris. Si j'étais un homme, c'est toi qui allais remettre. Donne-moi mes choses, sinon. Maman, je suis. Maman, tu pardon. Me fais mal, je suis pieds nus. Maman, tu as mon numéro. Tu m'envoies pour Orange, mon numéro, pardon. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour le travail. Tu fais quoi? Tu amènes un voisin. Tu amènes un homme à la cité. Jusqu'à tu m'amènes loin dans la maison. Si toi, tu pouvais m'aider. Si toi, j'étais un homme, tu allais bénir faire le travail qu'il a fait là-bas tout simplement. Non, vas-y, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Même si j'ai pas fait le travail là, tu n'as pas quand même amené un homme. Tu peux me demander encore. Tous les demander jours, encore, tu te demandes tous les jours. Tu n'arrives pas à faire. Il est venu m'arranger le lit qui bougeait. Donne-moi mes chaussures. Vas-y. C'est quoi? Il a mangé le lit. Oui, non, mon lit bouge donc. C'est le lit qui l'a rangé. Quand il t'appelle souvent, il vient m'aider à faire, il vient m'aider à faire ça. Tu te dis toujours que non, il t'appelle pour les futilités, il vient pour les bêtes choses. Il est venu m'aider à rien de lit. Parce que je ne pourrais pas compter sur toi. Tu ne peux pas. Je ne sais pas comment il fait. Mais attends, quand tu disais que c'est sorti là, il dit que remet, ça ne peut pas arriver là-bas. Il remet quoi? C'était la vis, non, Julie. Moi, j'étais en haut, j'étais en bas. Non. C'est quoi? Tu vas envoyer ma main là-bas pour voir la vis là. J'ai le mec qui prend ça lui-même. Je ne peux pas s'en aller comme ça. Vas-y, quand tu disais qu'il pousse. Il pousse bien pour fermer le lit comme ça, parce que ça bougeait tellement, il fallait qu'il pousse pour fermer le lit là. Donc, il ne faisait rien, il ne s'est pas connecté. Si vous voulez me connaître, c'est un homme. C'est un homme de lit. Quand tu le vois, il a d'abord le lit, c'est pas les histoires. Tu passes ta fesse pour, tu dis que monte, tu descends, bien connecte, tu n'arrives pas à connecter là. Ça veut dire qu'il a rien fait. Il n'a rien fait, tu vois que tu commences. Il n'a rien fait. Laisse-moi, c'est bon, non, ça va. Tu es tranquille maintenant. Il a arrangé, je suis venu faire quoi? Tu vas encore venir casser. Non, je vais arranger. Je vais te coucher sur toi. Je viens arranger ton lit. Tu arranges le lit de plus. Va te coucher sur toi. Voisine, ton lit. Ça se casse encore, tu me dis. Hein, voisine. Ça sent, tu vois.